Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs, et bienvenue une fois de plus à votre émission Réveillez-vous. Certainement, vous êtes surpris de nous voir, mon frère Stanley et moi. Le frère Evra, qui a l'habitude de vous partager durant, n'est-ce pas, cette émission, a eu une indisponibilité. Et étant un corps, comme le Seigneur le dit, vous êtes les membres les uns les autres. Le Seigneur a bien voulu que ce soit c'est nous qui partageons, n'est-ce pas, ce qu'il nous a mis à cœur pour son peuple. Donc, je suis sur ce plateau avec mon frère Stanley. Moi, c'est Christian. Stanley, bonsoir. Bonsoir, mon frère Christian. Merci. Donc, nous allons, durant ce temps, n'est-ce pas, vous partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur, histoire de vous encourager, de vous donner plus de zèle, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons bien voulu partager avec vous, c'est quoi être né d'en haut. Donc ce soir, nous allons un peu échanger sur ce thème-là. C'est quoi la nouvelle naissance? Mais avant de débuter, nous allons, n'est-ce pas, présenter ce moment à notre Seigneur, à notre Dieu. Parce que sans lui, n'est-ce pas, rien n'est possible. Et si nous sommes devant vous, c'est simplement sa grâce. Et il est important pour nous, n'est-ce pas, de lui dédier ce moment. Éternel, Père, mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa. Moments. Pour ces moments. Nous prions que tu nous accompagnes. Merci pour nous ta parole, pour merci partageons. Pour ta présence. Nous voulons que merci tes paroles pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour envers cette ville de Port-Gentil. Merci pour Seigneur, nos frères et sœurs à la maison qui, depuis chez eux, nous suivent, Papa. Donnez que ce que tu mets Seigneur, dans nos bouches. Nous voulons aller de l'avant nous avec toi. Nous prions pour ceux qui nous écouteront également. Nous ne sommes pas meilleurs, Papa. Pour ta force. Nous croyons en toi et nous savons que, Père, sans toi, rien n'est possible. Pour produire du fruit. Seigneur, merci pour cette émission, Papa. Merci pour nos frères et sœurs qui nous regardent, Père. Ce que tu es avec nous voulons, Papa, qu'un cœur soit touché, que tu puisses bénir, qu'une vie soit encouragée. Nous refusons de nous présenter nous-mêmes. Ceux-là qui ont des cœurs blessés, qui ont des cœurs brisés. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, de près comme de loin, Papa. Avec tremblement et crainte, nous voulons qu'au travers de ce partage, Père, beaucoup soient édifiés, Papa. À travers nous, tu puisses paraître. Nous renversons, Seigneur, toute forteresse qui s'oppose à ta parole ce soir. Père, nous venons déraciner toute mauvaise herbe des cœurs, Père. Et que ta parole pénètre les cœurs, Seigneur. Que ta parole, Papa, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Que chacun, Seigneur, soit sauvé. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ta parole. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, frère. Donc, comme nous le disions, nous allons partager avec vous sur la naissance, la nouvelle naissance. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 3. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 3. Je lis. Dans Jean 3. Oui. Dans Jean 3, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, du nom de Nicodème, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit né, ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. » Nicodème lui dit, « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, ne soit engendré d'eau et d'esprit, pardon, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui est engendré de la chair, et ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. » Amen. Amen. On voit ici, n'est-ce pas, Nicodème qui... Quand la Bible nous parle d'un chef des pharisiens, Nicodème, n'est-ce pas, était quelqu'un qui enseignait la parole. Nicodème était quelqu'un qui connaissait les Écritures. La Bible nous dit qu'il vient de nuit. Il vient de nuit et il ne pose pas une question au Seigneur, mais il donne des appréciations du Seigneur. Et le Seigneur, connaissant le cœur des hommes, connaissant ce dont Nicodème avait besoin, le Seigneur lui dit, il faut être né de nouveau pour pouvoir voir le royaume des cieux. Et là, la question que je vais nous poser, c'est quoi le royaume d'Élohim?
Pour beaucoup qui allons à l'église, est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Le Seigneur dit, pour voir ce royaume, ou alors pour entrer dans ce royaume, il faut être né de nouveau. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le royaume des cieux dans un sens déjà large, pour faire comprendre que le royaume du Seigneur, c'est le règne d'Élohim. Élohim qui a créé toutes choses, il règne sur sa création. Et si nous prenons, n'est-ce pas, si nous partons sur le plan spirituel et nous nous posons la question de savoir c'est quoi le royaume ou le règne du Seigneur, c'est simplement le règne que Yahweh, n'est-ce pas, exerce sur la vie, sur le cœur de ceux-là qui lui servent de façon libre. Je me répète encore bien, spirituellement, le règne du Seigneur, le royaume du Seigneur, n'est-ce pas, n'est autre que l'autorité que le Seigneur exerce sur le cœur de ses enfants, sur la vie de ses enfants, sur la vie de tous ceux-là qui l'ont accepté. Donc, pour que nous puissions goûter au royaume du Seigneur, il faut que nous l'ayons déjà accepté. D'où le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Nicodème était quelqu'un qui enseignait dans des synagogues. C'était quelqu'un qui allait dans les synagogues. C'était quelqu'un qui était régulier aux réunions. Comme pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous allons dans des réunions, nous partons dans des églises, nous fréquentons des églises, des assemblées. Mais est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Nicodème était avancé dans la loi hébraïque. Il était très avancé, mais il n'avait aucune connaissance du Seigneur. Il n'était pas né de nouveau. Pourtant, il allait bien aux réunions. Il donnait certainement des directives, puisque la Bible dit que c'était un des chefs des pharisiens. Nicodème ne connaissait pas le Seigneur. Quoi qu'il lisait les Écritures, quoi qu'il les décortiquait à sa manière, quoi qu'il encourageait les gens à suivre le Seigneur, Nicodème ne connaissait pas le Seigneur. C'est pourquoi Jésus va lui dire, il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. Il faut être engendré du Seigneur. Pour pouvoir entrer dans le royaume de l'homme, pour que le Seigneur puisse exercer son règne sur ton cœur, pour que le Seigneur puisse te diriger, pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, t'amener à le craindre, il faut être né d'en haut. Et quand vous lisez les Écritures, vous remarquez que Nicodème ne vivait pas la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il est venu des nuits. Pourquoi il est venu des nuits? Justement parce qu'il craignait les pharisiens. Ceux-là, les pharisiens, ceux-là qui ont combattu Jésus, ceux-là qui étaient pour qu'on le crucifie. Donc, Nicodème en journée était avec les pharisiens. Mais de nuit, il vient voir le Seigneur. Nous voyons déjà qu'il n'était pas clair quelque part. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, dans son cœur, est propre dans ses actions. Dans son cœur, il défend le Seigneur, peu importe où il se trouve. Je peux imaginer que Nicodème, avec les pharisiens, il ne parlait pas de Jésus en bon. On peut l'imaginer. Avec les pharisiens, il écoutait ce qu'eux disaient. Mais dans son cœur, il avait compris que le Seigneur avait quelque chose. Voilà pourquoi il dit, Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais si le Seigneur n'est pas avec lui. Nous allons prendre un passage pour voir pourquoi, n'est-ce pas, Nicodème, n'est-ce pas, n'avait pas le Seigneur. Nicodème avait envie du Seigneur, mais il ne l'avait pas encore, quoi qu'il enseignait la parole. On va prendre Éphésiens 1, 13. On va prendre Éphésiens 1, 13. On prend Éphésiens 1 à partir du verset 13. Je vais lire. La Bible nous dit, « En qui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis par la louange de sa gloire. » Donc, on comprend par là que Nicodème n'avait pas été scellé du Saint-Esprit. Et la Bible va nous dire, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, si quelqu'un n'est pas scellé du Saint-Esprit, il n'appartient pas au Seigneur, il n'appartient pas à Jésus. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous qui visitons les assemblées. Beaucoup ont pris les assemblées comme des lieux de rendez-vous. Beaucoup ont pris les assemblées comme des lieux, n'est-ce pas, des lieux de recherche de femmes. Beaucoup ont pris les assemblées comme des lieux de jeu. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Quoi qu'ils visitent des assemblées,
quoiqu'il visite l'église. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes aller les dimanches se réunir pour prier. Mais quand on regarde la vie courante, quand on regarde la vie active, nous voyons que beaucoup sont conduits par la chair. Quelqu'un qui est conduit par la chair n'est pas quelqu'un de né de nouveau. Quelqu'un qui est conduit par ses émotions n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, apporte son jugement dans la colère a un problème de conversion. Mais Jésus va dire, pour que le Seigneur puisse exercer son règne dans ta vie, son royaume, pour que tu puisses goûter au royaume du Seigneur, Jésus dit, il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. Dans nos assemblées, l'habillement des femmes, des jeunes filles, montre que beaucoup ont un problème de conversion. Beaucoup sont accoutumés aux injures, au mépris, à la méchanceté. Ils parlent mal facilement aux autres. Quelqu'un né de nouveau ne peut vivre cela. Quelqu'un né de nouveau ne peut prendre plaisir au mal. Notre société aujourd'hui, c'est la confusion. On se pose des questions de savoir qui est réellement converti, qui a le Seigneur dans son cœur, qui est né de nouveau. Aujourd'hui, c'est ça la question que moi je te pose, mon frère, ma sœur. Au regard de tes actions, au regard de tes agissements, est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau? Est-ce que tu peux dire que, oui, l'homme que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui? La Bible dit quand on est scellé du Saint-Esprit, on est une nouvelle créature. Donc, on est capable de voir si l'homme d'hier, on est capable de voir la différence entre l'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui. Amen. On est capable de dire, ce n'est même pas vous qui allez parler. Hein. Quand vous êtes converti, ce n'est même pas vous qui donnez le témoignage. C'est les gens du dehors, déjà de la famille, qui disent que mon frère, ma soeur a changé. Il avait l'habitude de faire ceci, mais aujourd'hui, il fait cela. Nicodème est venu voir le Seigneur. Le Seigneur a vu droit dans son cœur. Parce que Nicodème a fait quelque chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas faire. La prise de conscience. Nicodème avait pris conscience. Quand il vient voir le Seigneur de nuit, c'est parce qu'il a pris conscience que oui, là-bas avec les Sadducéens, nous disons ça. Mais quand on regarde ce frère, quand on regarde Jésus, quand on regarde ses agissements, non, le Seigneur est avec lui. Quand on regarde, il agit conformément à ce que nous lisons. Voilà pourquoi il est venu de nuit. Nous appelons à vous. Nous vous disons aujourd'hui de prendre conscience. De prendre conscience. La Bible nous a dit dans Éphésiens 1:13 qu'après avoir écouté l'évangile de notre salut, qu'est-ce qu'on t'a prêché comme évangile? Parce que l'évangile de Jésus, l'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance de Christ, de ce qu'il a enduré pour toi, cet évangile-là ne peut conduire qu'à la nouvelle naissance. Parce qu'après avoir écouté un tel évangile, on ne peut que se repentir devant le Seigneur, les amis. On ne peut que se repentir de la mauvaise vie qu'on a menée. Beaucoup vont dans des églises, mais ne se posent pas la question de savoir, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Beaucoup vont dans des églises parce qu'ils veulent que leur vie sociale change. Frère, moi je veux que tu comprennes aujourd'hui que Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous ayons des vies sociales semblables aux richissimes. Non, Jésus est mort à la croix parce que nous étions voleurs, menteurs. Il a porté cela sur lui. Il a porté ses problèmes sur lui pour que nous marchions en nouveauté de vie. Pour que l'homme menteur que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui. Regarde comment nous avons des hommes dans des églises. Nous avons des femmes dans des églises qui passent tout leur temps à mentir, qui passent tout leur temps à dire des choses pas vraies, qui entretiennent des relations avec des jeunes filles, des jeunes garçons. Pourtant, ils savent très bien que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le but pour nous aujourd'hui n'est pas de vous condamner, mais de vous dire, de réaliser vraiment c'est quoi l'évangile, c'est quoi le message de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme héritage? La sanctification n'est plus prêchée dans des églises. Pourquoi elle n'est plus prêchée? Les gens ne veulent plus entendre parler de cela. Il y a très peu qui sont nés de nouveau. Il y a très peu qui connaissent pourquoi ils vont à l'église. Il y a très peu qui sont conscients de pourquoi ils prennent la parole du Seigneur et la lisent. Nicodème la lisait tout le temps. Nicodème, certainement,
appliquait appliquait ce passage de Josué où le Seigneur dit « Médite ce livre jour et nuit ». Mais la Bible dit que Nicodème n'était pas né de nouveau. C'est la même chose pour toi, mon frère. Tu pars à l'église, tu fréquentes des assemblées, tu as des frères et sœurs. Mais regarde à ta vie. Est-ce que depuis que tu pries, est-ce que depuis que tu cherches le Seigneur, soi-disant, est-ce que tu as arrêté de mentir? Est-ce que tu as arrêté de mentir à tes clients par rapport au travail qu'il attend de toi? Est-ce que tu as arrêté de tromper ton épouse? Est-ce que tu as arrêté de battre sur tes enfants injustement? Est-ce qu'au boulot, tu es honnête? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu réalises que l'homme que tu étais hier, aujourd'hui, tu ne l'es plus? Moi, c'est la question que j'aimerais que beaucoup d'entre nous, on se pose. Le but n'est pas de condamner quelqu'un. Le but n'est pas de rejeter. Non. Le Seigneur nous a tous pardonnés. Il nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la sanctification. Il y a beaucoup qui vont dans des églises sans s'être repentis. Les amis, Jésus n'a pas dit que c'est en allant dans une église qu'on lui serait agréable. La première des choses que le Seigneur attend de nous, quand nous avons pris conscience, c'est une repentance sincère. Toi qui avortais, toi qui as mis des enfants aux toilettes, tu te dis, dimanche, je vais aller à l'église prier. Mais ma soeur, dis-moi, si ton fils t'offense et qu'un matin il vient t'embrasser sans te dire, maman, hier je t'ai mis dans un état vraiment désagréable, pardonne-moi. Il ne te dit pas cela, mais il te dit, maman, je t'aime. Que ressentiras-tu dans ton cœur? Est-ce qu'il est sincère? Le Seigneur attend de nous, de tous ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Le Seigneur attend une repentance véritable, les amis. Une repentance véritable. Je suis convaincu dans mon cœur que Nicodème, après cet échange avec Jésus, a dû vraiment réfléchir profondément. Et je crois qu'il s'est repenti. Parce que les paroles du Seigneur étaient vraiment à leur place. Et je bénis Jésus pour cela. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Amen. Il connaît nos besoins. Il n'a pas tergiversé avec Nicodème. Il lui a dit ce que Nicodème devait entendre. Le Seigneur avait devant lui un hypocrite. Quelqu'un qui avait les Sadducéens, les pharisiens, certainement ils mangeaient le nom du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. Tout comme nous aujourd'hui, nous ne regardons pas à ce que vous avez fait de mal ou de bien. Non, nous vous exhortons, frères et sœurs, nous vous exhortons à vraiment servir le Seigneur selon sa pensée. Il faut réaliser, pour ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, nous vous encourageons à prendre du temps et parler au Seigneur, à confesser ce que vous avez fait au Seigneur. À confesser. Beaucoup vont à l'église, parfois pour du manger, parce qu'ils veulent qu'on les assiste socialement. Jésus a nourri des foules, on dit amen. Mais ce n'est pas la première des choses pour laquelle Jésus nous appelle. Frère, réalisons que toute l'humanité était vouée à l'enfer. Toute l'humanité était vouée au lac de feu. Mais le Seigneur, dans son si grand amour, comme 1 Jean 3, 16 nous le dit, le Seigneur a donné son Fils pour que nous, aujourd'hui, nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est possible, mon ami, c'est possible, ma sœur. C'est possible que dans ces temps de la fin, nous puissions marcher conformément aux Écritures. Si tu as du mal aujourd'hui à te sanctifier, à servir le Seigneur, ne cherche pas à gauche ni à droite. Tu n'es pas celui du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas plaire au Seigneur sans son esprit. Lui-même, il le dit dans sa parole. Vous ne pouvez pas accomplir les exigences de Yahweh si l'esprit de Yahweh n'est pas avec vous. Non. Si l'esprit de Yahweh n'est pas avec vous. Frère, nous allons prendre un passage pour voir combien de fois la chair nous combat. Combien de fois ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas, ils sont destinés à l'enfer. On va prendre Romains. On va prendre Galates 5 à partir du verset 17. On va prendre Galates 5. À partir du verset 17, je vais lire. La Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, la luxure,
s'embrident, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'irriteront pas le royaume d'Élohim. Amen. Amen. Nous voyons ici les œuvres de la chair. Mon ami, si tu te reconnais dans ces choses-là, le Seigneur attend de toi une repentance sincère. Le Seigneur attend de toi une repentance sincère. Quand on n'a pas l'esprit du Seigneur, frère, on ne peut être conduit que par la chair. Quand on a lu là, l'homme même n'a pas de désir pour... L'homme a du mal même à s'affirmer. Soit c'est l'esprit du Seigneur qui travaille, soit c'est la chair qui travaille. Et pour beaucoup d'entre nous, si on n'est pas converti de nous, si on n'est pas converti, si on n'est pas né de nouveau, ça veut dire que c'est la chair qui exerce son autorité dans nos vies. Tous ceux-là qui se reconnaissent dans ce passage, nous vous encourageons, nous vous exhortons à renoncer à ces choses, à se repentir sincèrement devant le Seigneur. C'est vrai que dans les églises d'aujourd'hui, c'est l'argent qui est prêché. C'est les biens de ce monde qui sont prêchés. Mes frères, les biens de ce monde ne vont jamais nous satisfaire. Soyez-en sûrs, vous en aurez toujours besoin. La seule personne qui peut nous satisfaire, la seule personne qui peut nous mettre dans un état d'être comblé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardons les œuvres que produisent l'Esprit du Seigneur en nous. On reste toujours dans Galates 5, à partir du verset 22, la Bible dit, « Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. » Amen. Ces choses-là, on a du mal à les retrouver chez les chrétiens aujourd'hui. Très peu de chrétiens manifestent la paix. Très peu de chrétiens sont en paix. Très peu de soi-disant disciples du Seigneur procurent de la joie, procurent de la douceur. Très, très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de naissance nouvelle. Il n'y a pas. Comment pouvez-vous dire « je suis né de nouveau » Vous ne parlez pas avec votre oncle. Comment pouvez-vous dire « je suis né de nouveau » Il n'y a pas d'entente entre votre père et vous. Comment pouvez-vous dire « je suis né de nouveau » Vous avez le copain, la copine. Vous vous habillez de façon légère. Comment pouvez-vous dire « je suis né de nouveau » Comment? Moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique. C'est la chair qui a pris le dessus. Mais nous vous disons aujourd'hui que le Seigneur vous aime, tout comme il nous aime. Le Seigneur a donné sa parole, non pas pour condamner les hommes, non, mais pour avertir les hommes du danger. Toi, ma sœur, quand tu t'habilles de façon légère, connais-tu le nombre d'hommes que tu fais pécher en pensée? Non. Connais-tu le nombre de couples que tu sépares au travers des pensées qu'ils ont à cause de ton mauvais habillement? Non. Mais tu répondras de cela devant le Seigneur. Si tu ne te répands pas, tu répondras de ces actes-là. Quand tu t'habilles, tu te dis « je suis bien habillé ». Mais c'est selon le monde que tu es bien habillé. Devant le Seigneur, il a horreur de ces choses. Parce qu'au travers de tels habits, les foyers ont des problèmes. La convoitise court les rues. Détournez-vous de vos mauvaises voies, dit le Seigneur. Le Seigneur appelle les jeunes, appelle ces personnes-là, tous ces hommes et femmes qui se disent en eux que Seigneur, en allant certainement écouter ta parole, je serai changé. Mais pour être changé, il faut une décision. Comme Nicodème, il faut prendre la décision. Il faut dire Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait. Il faut se repentir et décider de marcher en nouveauté de vie. Nous vous encourageons à le faire. Il faut naître de nouveau. Comment être net de nouveau? Il faut se repentir, il faut chercher le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup servent leur église. Tu balais à l'église tous les jours. Oui, c'est bien beau de balayer. Mais le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut te dire quand tu te lèves. Il veut te dire quand tu dois balayer. Il veut te dire quand est-ce que tu dois faire quelque chose. Il veut te diriger. Le Seigneur veut prendre le contrôle parce que nous, nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne connaissons pas de quoi est fait le futur. Le lendemain, je ne le connais pas. Mais Jésus, lui, le connaît. Jésus peut me préparer pour le lendemain. Mais pour cela, il veut entrer dans ma vie. Il veut entrer dans ta vie. Pour entrer, il faut quoi? Il faut ton approbation. Amen. Le royaume du Seigneur,
C'est le règne de Dieu dans nos vies, dans la vie des hommes qui l'ont accepté, dans la vie des hommes qui s'efforcent à le servir librement. Je dis librement. Le Seigneur veut te servir avec ton consentement. Il veut t'utiliser. Il veut te conduire avec ton accord. Ce n'est pas un dictateur. Certainement, tu es fatigué de la vie du dehors. Tu es fatigué d'aller dans les boîtes de nuit, aller dimanche à l'église, lundi à la boîte de nuit, dimanche à l'église, croyant que tu auras la conscience pure. Mais si tu observes, tu vas voir que tu es troublé parce que tu n'as pas le Seigneur. La Bible nous dit, les fruits de l'esprit, c'est la paix. Très peu d'hommes aujourd'hui ont la paix. Très peu de foyers, très peu de familles ont la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de naissance nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de naissance d'en haut. Parce qu'ils n'ont pas été engendrés par Jésus. En d'autres mots, Jésus ne les connaît pas. Jésus ne les connaît pas. Tu dis tu vas à l'église, mais jamais tu n'as demandé pardon au Seigneur parce que tu as blessé ton voisin avec un mauvais comportement. Parce que tu as blessé ta fille. Parce que tu as blessé ton oncle. Parce que tu t'es comporté en délinquant. Tu n'as jamais demandé pardon pour cela. Le Seigneur nous appelle à demander pardon, à décider de changer, les amis. Ça ne sert à rien d'aller à l'église quand tu n'as pas une vie avec le Seigneur. Pour avoir cette vie avec le Seigneur, ça passe par une prise de conscience véritable, de réaliser que Seigneur, si tu viens maintenant là, c'est l'enfer. Si tu viens maintenant là, je ne peux pas être sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai commis ça, Seigneur, auquel je sais que tu ne prends pas plaisir. Même quand tu sors avec le mari d'autrui, tu sais dans ton cœur que le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Tu le sais, quoi que tu t'entêtes, tu le sais. Mais le Seigneur aujourd'hui veut que tu viennes à lui. Quand tu sors avec la femme d'autrui, quand tu sors avec tes collègues, pourtant tu es marié, le Seigneur le sait et tu sais en toi que c'est un acte horrible aux yeux du Seigneur. Toi qui te fais passer pour une femme, pourtant tu es un homme. Le Seigneur ne prend pas plaisir à de telles choses et tu le sais très bien. Le Seigneur aujourd'hui te tend la main. Le Seigneur a toujours tendu sa main aux hommes, les amis. Sachez-le. S'il y a, n'est-ce pas, un être qui a toujours tendu sa main, malgré les blessures qu'on l'a pu infliger, malgré nos insultes, malgré nos rejets, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si chacun de nous, nous faisons nos témoins, vous verrez que le Seigneur nous a pris de quelque part où c'était horrible. Le Seigneur nous a pris où nous n'imaginons même pas que le Seigneur pouvait nous prendre. Mais le Seigneur a manifesté son amour. Il nous a fait naître de nouveau. Parce que nous lui avons demandé pardon. Parce que nous avons dit, Seigneur, nous voulons changer. Seigneur, nous voulons avoir une vie telle que Daniel. Une vie telle que Samuel. Nous voulons expérimenter ces choses. Et le Seigneur ne peut prendre plaisir qu'à de telles choses. À de telles choses. Le Seigneur n'est pas dans des querelles. Il n'est pas dans des concurrences. Mais dans l'église aujourd'hui, c'est la concurrence entre les femmes mariées. Qui porte le meilleur pagne que qui? Qui s'habille que qui? Le mari de qui a l'argent plus que qui? C'est ce que nos églises vivent aujourd'hui. Une course sans trophée. Une bagarre sans issue. Mais je vous dis aujourd'hui, le Seigneur est la solution. Jésus ne vous condamne pas, les amis. Jésus ne vous condamne pas. Il faut naître de nouveau. La naissance nouvelle est importante. C'est la première phase pour la marche d'un disciple. C'est le début de la marche du disciple. Pour être disciple, il faut être né de nouveau. Le Seigneur comptabilise ses enfants par la nouvelle naissance. C'est d'abord par là. Amen. Comment peux-tu être né de nouveau? Comment peux-tu dire je suis né de nouveau? Mais tes actes ne reflètent pas cette nouvelle naissance. Il faut que le voisin soit capable de dire le garçon d'hier qui perçait ma maison pour prendre tel truc. Le garçon d'hier qui se cachait derrière la maison pour fumer du tabac. Le garçon d'hier qui dormait dans les bars. Aujourd'hui, il ne dort plus dans les bars. Aujourd'hui, il interpelle les gens à changer. Parce que Jésus l'a fait du bien. Parce que Jésus l'a fait du bien. Vous allez dans les tribunaux, voir les problèmes de divorce. C'est les chrétiens. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui est né de nouveau peut chercher le divorce? Comment on peut expliquer que quelqu'un qui est né de nouveau ne se sent pas bien en présence de sa femme ou de son mari? Comment on peut comprendre que quelqu'un qui est né de nouveau ne dort pas à la maison? Ça s'explique comment? Dites-moi. La Bible dit que Jésus est venu prôner la paix, la réconciliation. C'est le Dieu de la réconciliation.
Comment peut-on être chrétien et on ne parle pas avec sa famille? On peut comprendre qu'il y a des familles où vous faites quand même le premier pas, mais vous n'avez jamais fait le pas. Jamais. Frère, c'est le temps. Les temps sont devenus mauvais. Les temps sont devenus compliqués. Nous vivons les derniers temps. Moi-même qui vous parle, c'est avec crainte et tremblement, je vous assure. C'est avec crainte et tremblement. Comment un chrétien peut-il dormir avec le dos tourné à sa femme? Comment un chrétien peut-il dormir avec le dos tourné à sa femme? Comment un chrétien peut-il punir ses enfants? Comme s'il punissait des esclaves. Non. Même dans la correction de nos enfants, on voit l'amour du Seigneur. On peut voir comment le Seigneur nous corrige. Le Seigneur ne nous corrige pas pour nous paître. Non. Il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Pour appartenir à mon royaume. Il faut naître de nouveau. Il faut renoncer à soi. Il faut renoncer au désir de la chair. Il faut accepter de mourir en soi, les amis. Quel évangile t'a-t-on prêché? Quel évangile? Viens à Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Paye ta dîme, tu auras beaucoup d'argent. Ce n'est pas de ça que moi je vais te parler aujourd'hui. Je vais te dire, Jésus est mort à la croix. Pour que la puissance que le péché avait sur nous soit brisée. Pour que nous marchions en nouveauté de vie. En Jésus, c'est possible. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, c'est possible de vivre la chasteté selon Yeshua. Je vous assure, c'est possible. Vous n'imaginez pas ce que l'esprit d'Élohim peut faire en nous. Réalisez que l'esprit de celui qui a divisé la mer en Égypte, l'esprit de celui-là qui a tourmenté Pharaon par ses prodiges, je vous assure, c'est l'esprit du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, on a méprisé le Seigneur. Beaucoup de ceux-là qui vont dans des églises, ils ne réalisent même pas que c'est celui-là qui donne le souffle de vie. C'est lui qui dit, si je vous donne mon esprit, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir. Regardez comment les jeunes se touchent avec une telle légèreté dans des assemblées. Regardez le taux de grossesse de nos jeunes sœurs dehors qui vont à l'église. Mais regardez le taux de grossesse. Comment ça s'explique? Une chandre, aujourd'hui on la voit bien, après quelques mois c'est le ventre qui s'affiche. Mais vous expliquez ça comment? Jésus n'est plus prêché, les amis. Il est temps de revenir aux sources véritables. Il est temps de revenir à ce que le Seigneur attend de nous. Mais cela passe par une véritable repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus lui-même a prêché la repentance. Nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous prêcher autre chose que la repentance. C'est ce qu'il faut pour aller au ciel. Nous ne pouvons que vous dire, repentez-vous, les temps sont mauvais. Repentez-vous, les temps sont difficiles. Repentez-vous, cherchez le Seigneur. Le Seigneur viendra à vous. Si vous le cherchez véritablement, il viendra à vous. Nous avons des personnes brisées par des églises, des personnes tourmentées de ce qu'ils croyaient de l'église n'est plus. Nous vous disons aujourd'hui, le Seigneur est dans sa parole, il n'est pas dans un bâtiment. Nicodème était dans le bâtiment. Nicodème était dans les synagogues. Nicodème disait comment ça va se passer. Mais Nicodème ne connaissait pas Jésus. Parce que la parole que Nicodème partageait, il ne savait pas que c'est de Jésus qu'il parlait. Il ne savait pas. Nous vous encourageons, frère. Nous vous encourageons, grande sœur, grand frère, papa et maman. Une famille stable, c'est dans le Seigneur. Nous avons lu ensemble dans Galates. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix. Combien de temps votre famille, depuis combien de temps votre famille n'a plus connu la paix selon le Seigneur? Depuis combien de temps n'étais-tu pas assis avec ton enfant, parler comme un père parle à son fils? Mais c'est le Seigneur qui donne cette force-là. C'est le Seigneur. Vraiment, je vous exhorte, je vous encourage. Ne prenez pas ça comme une condamnation. Ne prenez pas ça comme du mépris. Non. J'ai été interpellé de la même façon. J'étais encouragé parce que le Seigneur avait pointé du doigt dans ma vie les choses qui n'allaient pas. Il les a exposées au grand jour. Je ne pouvais que me repentir. Nous vous encourageons, vraiment. Ceux qui se reconnaissent dans de telles choses, nous vous encourageons à vous repentir, à chercher le Seigneur. Nous vous encourageons à ne pas être attachés au bâtiment ou au pasteur ou au prophète. Non, attachez-vous à la parole de Jésus, à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est la vérité, les amis. Pour que le Seigneur puisse régner dans vos cœurs, il faut une naissance nouvelle. Il faut être engendré de nouveau. Je bénis le Seigneur vraiment pour ces paroles-là.
Je ne veux pas monopoliser la parole. Je crois que mon frère, n'est-ce pas, quelque chose à dire pour nous encourager tous. Donc, je laisse la parole à mon frère. Non, mais je bénis le Seigneur pour tout ce que tu as développé. Et tu as dit beaucoup de choses. Et je crois que c'est l'un des messages les plus essentiels, en fait, qu'on a prêché aujourd'hui. J'allais dire le plus essentiel parce que la nouvelle naissance marque l'entrée dans le royaume des cieux. Et il y a une parole qui m'a fortement touché quand tu parlais. Tu as dit, à la fin, le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Je vais lire ce passage-là. Je crois que c'est dans Matthieu 25, si je ne me trompe pas. Matthieu 25, aux vierges, voilà. Dans Matthieu 25, verset 12. Je vais lire le verset 10 même. Matthieu 25, verset 10. La Bible dit, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, et les autres vierges vinrent aussi et dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit et dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Remarquez ici en fait que le Seigneur ne dit pas, « Je ne vous connais plus. » Mais il dit, « Je ne vous connais pas. » Tu vois ? Non, elles avaient la prétention, donc elles attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, en fait, attendent Jésus, parlent de Jésus, mais ils ne les connaissent pas. Parce que c'est par la nouvelle naissance qu'on connaît le Seigneur, en fait. Qu'on devient enfant de Dieu. Amen. C'est très important, vous voyez. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu ailleurs aussi. Parce qu'il y a aussi d'autres passages où le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Et c'est dommage, en fait. Vous voyez, vous allez à l'église, vous pouvez, en fait, parler de Jésus. Il y a des gens, en fait, qui connaissent plus l'église, plus le pasteur, ou bien qui sont plus connus du pasteur que du Seigneur. Ils ne se soucient pas. C'est très dommage. Nous voulons ce soir, vous qui nous suivez depuis chez vous, vous interpeller et vous appeler, en fait, à vous ressaisir. Vous voyez, Nicodème, la Bible nous dit, notre texte base, je vais relever encore quelques points. La Bible nous dit qu'il était un chef des pharisiens. Il était un docteur. Vous voyez que Nicodème parlait de la loi. Il enseignait comme mon frère Christian le disait, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Donc c'est inutile de parler de Jésus à longueur de journée s'il ne vous connaît pas, je vous assure. C'est inutile. Parce qu'à la fin, n'est-ce pas, vous serez en face de lui et il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Donc il est inutile de courir. C'est-à-dire que vous allez évangéliser, vous prêcher, vous identifier comme étant un chrétien, mais êtes-vous né de nouveau? Je reviens sur le texte base, sur Jean 3. La Bible dit que Nicodème savait. Il savait. Ce n'était pas un ignorant. La nouvelle naissance est, n'est-ce pas, les béaba de la foi. C'est le béaba de la foi. Mais le Seigneur réserve cet enseignement-là, non pas, n'est-ce pas, au bas peuple, mais un docteur de la loi. C'est terrible. Jésus, franchement. Le Seigneur est magnifique. Et il réserve l'enseignement, non pas à la femme prostituée ou adultérine, non. Il donne cet enseignement-là à un docteur de la loi. Or, pour être docteur, même dans la société, on sait que c'est beaucoup d'années d'études. Pour en arriver là, vous savez, pour en arriver là, il fallait beaucoup de temps d'études. Un pharisien, ce n'était pas n'importe qui. En plus, un chef de pharisien, ce n'était pas rien. Je veux dire, c'était le rang le plus estimé dans la société hébraïque. Amen. Le rang le plus estimé. Mais c'est à lui que Jésus-Christ donne les béabas. Il a dit, Nicodème, il dit ceci, voici les affirmations de Nicodème. Maître, je suis au verset 2, Jean 3, verset 2. Lequel vint de nuit à Jésus, il lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, Nicodème avait observé, que ce soit proche, que ce soit en fait de près ou de loin, que Jésus-Christ était un véritable envoyé du Seigneur. Il avait reconnu par les miracles, par la vie,
que non, ça, ça, va être, ça, ça ne peut pas être faux. Dans son fort intérieur, il avait admis cela. Je vous assure qu'il y a beaucoup qui admettent la vérité, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas encore nés de Dieu. Admettre ou reconnaître que la vérité qu'on prêche, ce n'est pas suffisant. C'est le cas de Nicodème ici. Donc, il pouvait y avoir des discussions entre Nicodème et puis en fait, les autres chefs des pharisiens. Ils pouvaient entendre les débats. Mais il avait reconnu que non, franchement, ça là, ça c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Ça, c'est le vrai message. Ça, c'est une vraie parole. Mais Nicodème n'était pas né de Dieu. Et le Seigneur dit quoi ? Jésus répondit, il lui dit, en vérité, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, bien qu'il ait suivi ça en fait après, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et j'ai envie de vous poser la question, dans quel royaume êtes-vous ? Parce que l'entrée pour le royaume des cieux, n'est-ce pas, c'est la nouvelle naissance, c'est la base. Regardez, j'imagine pas Nicodème, vous voyez, c'était quelqu'un certainement qui s'efforçait à plaire à Dieu. Vous voyez, il enseignait. C'est vrai que le Seigneur a traité beaucoup de pharisiens d'hypocrites, mais tous les pharisiens n'étaient pas des hypocrites. Hein. Ça, il faut le souligner. Donc, tous les pharisiens, il y en a parmi eux, n'est-ce pas, qui s'efforçaient de chercher la justification par la loi, qui s'efforçaient en fait de payer leurs dîmes, qui s'efforçaient en fait de lire la Torah, qui s'efforçaient d'avoir une vie plus ou moins réglée. D'ailleurs, la prière, on a la prière en fait dans Luc 16. En fait, là où la Bible dit qu'il y a deux personnes qui vont monter au temple, vous voyez, il y a un publicain et puis il y a un pharisien, vous voyez. Et le pharisien va dire, je vais essayer de retrouver la référence là, dans Luc, je vais revenir sur notre texte de base là, de Jean, dans Luc 16, où la prière, en fait, la Bible dit qu'il y a le pharisien qui va prier, Luc 16, il me semble, tant que je me retrouve, Luc 16, ok, Luc 18 plutôt, c'est Luc 18 verset 9. Luc, il dit aussi cette parabole au sujet de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Je disais Luc 18 verset 9. Il dit aussi cette parabole au sujet de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait en lui-même en ces termes. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc, regardez, ici c'est le pharisien. Il bénit le Seigneur parce qu'il n'est pas comme les autres membres en fait, du peuple, quoi, de la population. Pourquoi ? Quelle est sa différence ? Regardez un peu ici. Il dit, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Ce n'était pas un ravisseur, c'est-à-dire qu'il ne volait pas. Qui sont injustes. Ce n'était pas, à ses yeux et aux yeux de la société, il n'était pas injuste. Qui sont adultères. Ce n'était pas un adultère. Donc la fornication, le péché sexuel, il n'était pas dans ça. Mm-hmm. Ni même comme ce publicain. Vous voyez un peu, ce monsieur, il a une vie plus ou moins rangée. Je tiens à vous dire ce soir que si vous n'êtes pas né d'en haut, malgré la vie correcte que vous vivez, que vous menez, vous faites l'effort d'être un homme intègre et tout le reste là. Si vous n'êtes pas né d'en haut, Jésus-Christ dit à Nicodème, à vous et à moi, que si vous n'êtes pas né d'en haut, n'est-ce pas, ces choses-là sont inutiles parce que vous irez en fait en enfer. Vous serez perdu. Autrement dit, si Nicodème, dans tout ce qu'il faisait là, n'était pas encore dans le royaume des cieux, comment un homme juste comme Nicodème était encore dans le royaume des ténèbres ? Jésus-Christ est la porte, je vous assure. Il vous faut naître d'en haut. C'est le message. Hein? Et il faut, c'est une nécessité. Donc tout ce que tu as fait de bien, les bonnes œuvres, les bonnes actions, les aumônes, les dîmes que tu vas payer, le fait d'aller à l'église, d'être, je dis ça comme régulier à l'église, ça ne sert à rien. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses d'en haut. Retiens ces paroles-là. Je t'assure que c'est la parole qu'il te faut. C'est la parole essentielle. Tu peux témoigner de Jésus, dire que tu es chrétien, crier très haut. Mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ? Parce que, voyez-vous, lorsqu'un homme naît, un enfant naît, n'est-ce pas ? Il est enregistré à la mairie. Il a une date de naissance. Vous voyez ? Il a une date de naissance. Mais est-ce que, parce qu'au ciel aussi, n'est-ce pas, il y a des livres. Et quand
tu nais d'en haut, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Toi, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est important. Au-delà de tout, ici, je ne demande pas si tu es béni, si tu as des enfants, si tu es prospère dans les affaires. Ça, c'est bien. C'est, tout ça, c'est bien. Bénis le Seigneur, en fait. Comme le pharisien qu'on a vu là. Mais est-ce que tu es né d'en haut? C'est un privilège que seuls, en fait, les enfants du Seigneur connaissent. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu et par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Alors, je vais rapidement avancer. La Bible dit dans le livre de Jean, rapidement, et puis je vais m'arrêter par là. Jean 3. Il dit, si quelqu'un, il y a beaucoup de petits commentaires qu'on peut ressortir, mais je vais juste aller à l'essentiel. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, Jean 3, verset 5, Jésus répondit, on dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ici, il faut souligner que quand je parle de nouvelle naissance, ce n'est pas aller se faire baptiser. C'est-à-dire que vous pouvez être baptisé et ne pas quand même être né de nouveau. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens dire qu'ils sont baptisés, communiés et confirmés, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est inutile, en fait. Le baptême, en fait, est la manifestation, est le signe extérieur, en fait, l'expression extérieure de ce qui s'est passé intérieurement. C'est en esprit qu'on est de Dieu, né d'en haut. Tu vois un peu. Donc, l'eau qu'on va t'administrer, ce n'est pas, en fait, ce qui fait que tu es né de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est juste, en fait, pour prouver, pour manifester extérieurement, pour témoigner, en fait, et pour respecter aussi la parole du Seigneur. Il y a des qui seront baptisés aussi. En fait, là, c'est pour souligner que, parce que dans l'histoire de l'Église, il y a un homme, Constantin notamment, qui est appelé en fait père de l'Église. En fait, il a mené une mauvaise vie, tu vois. Et puis, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il s'est assuré qu'on le baptise. En fait, il voulait aller au ciel, quoi. Non, mais il s'est dit, bon, franchement, c'est sur son lit de mort qu'on va le baptiser. Le Seigneur n'est pas dupe, en fait. On ne trompe pas le Seigneur. C'était pour vous dire cela. Et la Bible dit ici, donc il y a un autre élément que je veux relever. Il dit, comment c'est possible? Moi, je suis déjà né, j'ai un âge avancé. Comment je vais faire pour aller dans le... Enfin, est-ce que je vais entrer dans le ventre de ma mère pour naître en fait de Dieu ou quoi? Je vais faire, ça se passe comment, en fait? Ça se passe comment? Vous savez, on n'est pas obligé de tout comprendre, notamment dans les choses spirituelles, avant de les accepter, avant de croire. Amen. La foi... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la foi s'oppose à la raison. Moi, je pense plutôt que la foi, à des moments donnés, en fait, est supérieure à la raison, vous voyez, et que la foi permet de comprendre, en fait, les choses rationnelles. C'est par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les choses qui existent ont été créées par la parole du Seigneur. La foi permet de comprendre les choses que la raison ne peut pas exister. Parce que la raison est limitée. Les choses que nous voyons, en fait, sont limitées, vous voyez un peu. Oui. Et la foi nous permet, en fait, à saisir même les choses spirituelles. Ça, c'est très important de comprendre ça. Le Seigneur dit, Nicodème, il dit, le vent, rien, qu'est-ce qui est plus étrange que le vent? Enfin, franchement, c'est-à-dire que le vent souffle. Je ne suis jamais assis, mais le vent souffle, il vient d'où? Il était où avant? La nouvelle naissance est aussi étrange. Je me dis, explique-moi la nouvelle naissance. Je lui dis, mon frère, le Seigneur envoie Nicodème. Hein. Il dit, le vent, est-ce que tu connais le vent? Frère, quand tu es né de Dieu, tu es comme le vent. C'est-à-dire que parce que l'esprit est aussi l'image du vent. Tu es comme le vent. On essaie d'où tu viens, d'où tu vas. Mais une chose est sûre, aussi vrai que je ne peux pas voir le vent ou l'expliquer. Je sais pour autant que le vent existe parce que je vois ses effets. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons discuter de d'où le vent vient, des mystères. Je ne suis pas un physicien pour expliquer tout ça là, machin. Non, je ne connais pas ça. Mais je vois les effets du vent. Amen. Celui qui est né de Dieu est comme le vent, frère. On voit les effets, on voit les conséquences de sa vie. Et on voit le fruit de sa vie. Et certes, Nicodème, n'est-ce pas, il pouvait amener une vie. Mais la première chose que ceux qui sont nés d'en haut, en fait, reçoivent de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est l'Esprit du Seigneur. Vous voyez? Il y a un bénéfice que va, n'est-ce pas, recevoir celui qui naît d'en haut, c'est le pardon de ses péchés, ce que les autres n'ont pas encore.
Vous pouvez vous efforcer, n'est-ce pas, de vouloir marcher comme un chrétien, mais vous n'êtes pas encore chrétien. C'est autrement dit, vos péchés ne sont pas encore pardonnés. Ils pèsent, ils reposent encore sur vous. Donc, vous êtes encore un pécheur. Et la première chose que Dieu vous demande de faire, ben, c'est de pouvoir venir au royaume des cieux. Et ce n'est pas la repentance, comme mon frère disait, ce n'est pas la nouvelle naissance. Vous voyez, un chrétien qui est né de nouveau, ça veut littéralement dire qu'il a accepté Jésus-Christ et que le sang de Christ, en fait, s'il croit, mais c'est dit dans le texte, vous pouvez lire à la maison par la suite, il dit, celui qui croit en moi, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a cru au Seigneur. Et la parole du Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la parole leur a donné le pouvoir, Jean 1:12, toujours dans Jean, de devenir enfant de Dieu. Et quand ils deviennent enfants de Dieu, ils ont dit que les péchés sont pardonnés. Ils ne sont plus sous la condamnation, comme le Seigneur dit, mais ils sont maintenant en fait justifiés. Ils sont enfants du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je vais sortir par ce texte-là. Je vais sortir par ce texte-là. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 10, 1 Jean 3, verset 9, je crois. Je me retrouve d'abord. 1 Jean 3. Voilà, c'est 1 Jean 3, verset 9. Bon, je veux revenir au verset 8 même. Il dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc ce passage-là, vraiment, il est assez explicite, oui, il est assez clair. Il dit, celui qui est né de Dieu. Jean affirme, vous savez, Jean n'aime pas trop les théories, il dit seulement les choses en fait, il affirme des choses. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc il est impossible, pourquoi? Parce qu'il y a la semence de Dieu en lui. Si vous avez la semence de Dieu en vous, il vous est impossible, même quand personne ne vous voit, même quand les frères ne sont pas là, même quand le pasteur n'est pas là, l'esprit de Dieu qui est en vous vous empêche de pratiquer le péché. Ça veut dire quoi pratiquer le péché? Généralement, on a observé en fait des gens dire, mais vous les chrétiens, est-ce que vous ne péchez pas? Est-ce que vous ne péchez pas aussi? On est tous des hommes, non? Vous savez, c'est justement l'un des raisonnements que la nouvelle naissance fait sauter. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on rentre. Vous savez, on peut, lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, vous voyez, on a une idée, en fait, on a une idée plutôt, plus ou moins vague et qui n'est pas précise de ce qui est dans la maison. On s'imagine des choses, mais pour voir, il faut entrer. Parce que en fait, dans quel embarras on se trouve lorsque en fait on est né de nouveau en face de celui qui n'est pas né de nouveau? C'est comme essayer. Quelqu'un a dit, c'est comme essayer d'expliquer les couleurs à un aveugle. Bon, il n'a jamais vu de couleur, il n'a jamais vu le coucher du soleil. L'autre fois, tu es forcé pour essayer de lui expliquer ça, mais il n'a jamais vu. Le jour où ses yeux vont s'ouvrir pour la première fois, c'est la même chose. Parce que nous étions aveugles aux choses du Seigneur. Mais lorsqu'on est de nouveau, nos yeux s'ouvrent. On voit la beauté du Seigneur Jésus-Christ. On voit ce que c'est qui est véritablement la vie. Vous souvenez dans Jean 9, là, ce monsieur qui va dire, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça en fait. Nous étions aveugles. Nous étions aveuglés par le prince de ce monde. Nous étions aveuglés par les plaisirs de ce monde, aveuglés par la vie, aveuglés en fait par le mensonge que le diable nous présente en fait. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Et quand vous y êtes, vous voyez réellement ce qu'il y a dans la maison, tous les plaisirs, toute la joie. Beaucoup pensent que les chrétiens sont malheureux, sont tristes. C'est un mensonge du diable, frère. C'est un gros mensonge en fait. Il dit, celui qui est né, c'est un fait. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une dissertation pour non, machin, non. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Il est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que lui-là, que les autres n'ont pas. Je regarde à ça. Il dit, il y a la semence de Dieu qui demeure en lui. Il y a des choses qui se passent. Si vous pratiquez le péché, c'est quoi pratiquer le péché en fait? C'est-à-dire, vous péchez avec préméditation, vous péchez volontairement, vous péchez et vous vous y plaisez, vous péchez avec facilité. On dit souvent,
on est tombé. Il y a d'autres qui ne tombent même pas. Ils rampent, ils se plongent dans la boue, ils se vautrent dans la boue. Ils ne sont même pas, en fait, ils ne se sont jamais levés. Ils sont constamment dans la boue. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, celui qui est né de Dieu a la semence de Dieu en lui. Et cette semence le garde. On a vu ça dans Éphésiens 1:13. C'est un gage. C'est la vie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est saint. Dieu est saint. Et donc, Dieu vous transmet sa nature. Dieu vous transmet sa vie. Et la vie de Dieu, c'est la séparation avec le péché, avec le mal. Et donc, cette semence-là vous empêche, n'est-ce pas, d'accepter le mal autour de vous. En fait, en vous. D'abord, en vous. Dieu, quand il vient, n'est-ce pas, il ne combat pas d'abord le mal de l'extérieur. C'est inutile. Dénoncer, en fait, les hommes politiques, dénoncer, en fait, les voleurs, les braqueurs et tout le reste. Là. Non ! Dieu s'attaque d'abord au péché qui est dans ton cœur. Le péché que personne ne voit. Ce qui est secret là, c'est ce qui intéresse d'abord le Seigneur. Parce qu'il commence d'abord par l'intérieur avant d'intervenir à l'extérieur. C'est inutile de s'en prendre. C'est pourquoi on parle de l'apparence de la piété. En fait, c'est inutile en fait. Franchement, c'est d'abord nos cœurs que le Seigneur veut. Il veut le nettoyer, le purifier. Et c'est un engagement qu'il prend. Vraiment pour finir, hein, la nouvelle naissance est une promesse que le Seigneur avait faite à Israël parce qu'il avait remarqué qu'il avait donné la loi et le peuple d'Israël ne pouvait pas obéir à cette loi-là. Et il leur a dit, un temps viendra, alléluia, il dit un temps viendra où, n'est-ce pas, la loi ne sera plus à l'extérieur de vous. Parce qu'avant, ils écrivaient la loi sur les mains, sur le front et tout le reste là, c'était tagué un peu partout. Il dit, un temps viendra où la loi ne sera plus sur en dehors de vous, mais je les inscrirai sur votre cœur. C'est un défi, c'est un challenge. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle naissance est le plus grand miracle. Amen. C'est le plus grand miracle. Au-delà de rendre la vue un aveugle, au-delà de faire marcher un paralytique, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui s'engage à prendre un homme pourri et méchant tel que nous sommes, tel que vous êtes en fait. Dieu décide de vous changer et de vous garder dans ce monde-là, n'est-ce pas, où il y a le péché, où il y a la souillure, mais de vous conserver pur. C'est un véritable défi. Et ce défi-là, c'est Dieu qui s'engage à le faire pour vous et pour moi. Frère, c'est compliqué. Mais Dieu décide de le faire quand même. Il relève le défi. Il dit, je le ferai. Ainsi soit que je suis Yahweh. Donc quand un chrétien, n'est-ce pas, demande la nouvelle naissance, il s'en prend directement à l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'en prend directement. Parce qu'il veut démontrer que le Seigneur n'est pas capable de changer la vie d'un homme. N'est-ce pas? De faire d'une prostituée une femme en fait, de pudeur, une femme digne. De faire d'un voleur un menteur, un homosexuel, un homme orgueilleux. Il s'en fait un homme humble. Ça prouve que Dieu n'est pas capable. Or, comme mon frère a dit, le Dieu, n'est-ce pas, qui soutient le monde par sa main, par sa parole, n'est-il pas capable de changer l'homme que tu es? Voici le message de la nouvelle naissance. Dieu veut te changer, Dieu veut me changer. Et s'il nous change, assurément, nous aurons la victoire sur le péché. Nous aurons en fait le dessus sur la tentation. Il n'est pas en fait, n'est-ce pas, un mal d'être tenté, mais tomber dans la tentation, c'est là qu'est le problème, véritablement. Non, c'est vraiment ce que je voulais apporter en fait comme partage, voilà, sur la nouvelle naissance. Merci beaucoup mon frère. Je me sens encore davantage encouragé. Je me sens béni. Seigneur. Et j'espère que vous aussi chez vous, et c'est comme nous vous l'avons dit, hein, ne prenez pas ça comme une condamnation. Notre pensée n'est pas différente de celle du Seigneur. Nous souhaitons que beaucoup de cette génération-ci puissent véritablement donner leur cœur au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est notre cœur que le Seigneur veut. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un va par exemple voler, l'action de voler, n'est-ce pas, n'est que l'exposition de l'état de son cœur. Il avait déjà volé depuis la maison. Il avait déjà préparé tout dans son cœur. Maintenant, quand il passe à l'action, c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui expose son cœur. Donc, pour vous dire que le Seigneur veut vos cœurs, il veut nos cœurs. Nous prions vraiment que chacun de vous prenne ce qu'il a à apprendre et qu'il prenne des résolutions fermes. Nous vous encourageons à cela. Nous sommes disposés pour échanger avec vous, pour vous encourager. Voilà. De la même façon que nous avons été encouragés, nous voulons vous encourager ce soir à suivre le Seigneur. Soyez bénis et que chacun de vous reçoive la visitation véritable du Seigneur dans son cœur. Amen. Amen.